Là, Mathieu a trouvé des solutions pour pouvoir... Enfin, il a soudé tout ça. Donc, on a fait un travail qui s'appelle Airspray, qui est fait... On a trouvé des pommeaux de douche, en fait. Et donc, on les a installés de façon à ce qu'ensemble, ils s'activent tous pour que l'air fasse que les pommeaux de douche se lèvent dans l'eau, quoi. Et prennent vie, quoi. C'est un peu une sorte de... C'est un peu comme une plante, cette sculpture, mais... très mécanique, avec un petit côté futuriste. Donc en fait, ce projet, on l'a commencé il y a à peu près 6 mois. On a décidé avec Mathieu donc, de vivre sur notre bateau. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ce projet Forland 6 Studio. Forland 6, c'est le nom de Forland 6, c'est le nom de notre bateau. Donc on travaille exclusivement sous l'eau. On a eu envie de transformer des objets quotidiens en les plaçant dans un environnement étranger pour leur donner une sorte de seconde vie et des caractéristiques organiques. Je viens d'un milieu assez technique, j'étais officier de la marine marchande pour une compagnie qui posait des câbles sous-marins pour Internet, et j'ai décidé de m'associer avec Hortense justement pour apporter aussi ce côté technique. Et on a tous les deux une vision différente. Hortense est plus du côté artistique et moi je suis du côté technique, et tous les deux on s'est associés dans ce duo Forland 6 en apportant chacun nos connaissances. Donc c'est vrai qu'avant de faire ce projet, Mathieu, on vient vraiment de milieux complètement différents, même si on a la mer en commun. Personnellement, j'ai étudié l'art depuis que j'ai 16 ans, depuis très longtemps. Donc je suis allée étudier à Amsterdam pendant 2 ans, et ensuite à Londres, où j'ai fini à passer mon diplôme. Et pour le degré chaud de fin d'année, déjà à l'époque, j'avais vraiment envie de travailler sous l'eau, donc j'avais loué un tank circulaire de 2 mètres de hauteur et 2 mètres de diamètre. Et j'avais demandé aux pompiers du coin de venir remplir ce tank pour que je puisse ensuite plonger à l'intérieur et imiter le jet d'une baleine, en fait. Donc c'était une performance complètement ratée, mais j'étais très contente de pouvoir plonger dans cette école. Et ça a pris un petit peu de temps, donc c'est pour ça qu'après j'ai étudié donc la plongée, je suis devenue instructeur de plongée, et j'ai enseigné en Espagne, et ensuite je suis allée aux Philippines. Donc après avoir enseigné la plongée pendant quelques temps, j'ai eu envie d'apprendre plus la photographie et la vidéo. Donc je suis allée travailler dans une compagnie de production de films aux Philippines aussi, pendant quelques temps. Et ensuite on s'est retrouvés avec Mathieu en Europe, donc ça c'était il y a 1 an. Donc vraiment ce projet de travailler sous l'eau, c'est venu aussi parce que je pense qu'après toutes nos plongées autour du bateau, on a vu cette mer en Méditerranée qui est quand même une mer assez vide, quoi.
Il y a constamment, bien sûr, des objets sous l'eau. Et je pense, on s'est dit que c'était un lieu qui finalement pouvait accueillir justement des sculptures, des objets, sans se concentrer sur les personnes, mais vraiment en se concentrant sur ce qui restait des gens et ce qui restait de leur consommation. Donc on a commencé à travailler avec des objets qu'on avait, nous, sur le bateau. Donc on a commencé à faire ces lignes de linge sous l'eau, comme si le linge était en train de sécher sous l'eau. Donc c'est vraiment recréé avec des objets du quotidien, des objets vulgaires, des objets dont les gens n'ont... Enfin, des objets assez méprisés, au final, qu'on utilise très rapidement, et leur donner une seconde vie. C'est vrai qu'on est parti du principe que tous les objets du quotidien qu'on pouvait utiliser et consommer de manière... Enfin, consommer en masse, ils finiraient de toute façon par dans la mer, puisque c'est plus ou moins ce qui récupère tous les cours d'eau, c'est... Voilà, tout ça. Après, dans la mer, donc, que ce soit en particules microscopiques ou en gros patch de plastique ou de matériaux, on essaie de mettre une image là-dessus dans notre imaginaire, c'est ça, et de voir qu'est-ce qui pourrait advenir de ces matériaux et abandonner et tout ça. Donc on a commencé par toute une série de travaux qui étaient assez organiques avec les Posidonia, puisque ça rappelle ces Posidonia qui sont des herbes qui poussent ici en Méditerranée, c'est des herbes protégées sous-marines. Donc voilà, on essaie de s'intéresser à la seconde vie que les matériaux peuvent avoir par eux-mêmes dans l'eau. Donc on travaille beaucoup avec des matériaux de récupération. On essaye, tant que se faire se peut, on essaye d'acheter le minimum de matériaux Avec Hortense, on s'est rencontrés de façon assez banale, on va dire. On s'est rencontrés dans une boîte de nuit en Bretagne, donc c'est rien de très fou, mais c'est sûr qu'on a eu dès le début dès qu'on a commencé à discuter, on est tous les deux passionnés par la mer et c'était vraiment ce qui nous a rapprochés au début. Parce que, enfin, dans la plupart des cas, on va dire, les rencontres de boîte de nuit, c'est pas forcément celles qui durent dans le temps, mais on a eu cette connexion tous les deux dès le début. En parlant de la mer, moi j'étais marin, je naviguais à l'époque et je repartais bientôt en embarquement. Et elle était passionnée par la mer de son côté. Donc, directement, je lui ai parlé de ce bateau et tous les problèmes que j'avais. J'étais là, oh, tu sais comment réparer ça, comment je peux faire. Donc c'était vraiment tout de suite, peut-être la première fois, les premières 10 minutes où on a parlé, j'ai dû lui dire, hey, j'ai un bateau, vraiment, j'aurais trop besoin d'un mécanicien sur le bateau. Et donc tout de suite... Après Mathieu, moi ça me faisait vraiment rêver son travail, le fait de pouvoir partir travailler à l'étranger tous les deux mois. J'aimais beaucoup l'idée d'apprendre à connaître quelqu'un qui travaillait en mer. Ça me faisait rêver comme milieu. Le bateau est depuis longtemps en Méditerranée. Il était d'abord sur la partie ouest de... la Grèce, à la limite entre la Croatie et la Grèce, du côté de Corfou. Et quand on l'a récupéré là, l'été dernier, on l'a descendu depuis Corfou jusqu'à dans les petites Cyclades, donc Paros, Naxos, tout ce coin-là. On a passé une partie de l'été sur Rhodes. Et on s'est dit que c'était une bonne option, dans le sens où on avait envisagé la Turquie aussi, on avait envisagé plusieurs autres options. Et au final, c'est la Crète qui s'est imposée comme naturelle, puisque ça présentait beaucoup d'avantages. On restait en Europe. On était quand même assez dans le sud pour avoir un hiver qui était plutôt doux et pendant lequel on pouvait plonger, on pouvait continuer. Enfin, on pouvait commencer vraiment à travailler. Et puis c'était aussi un endroit pas trop petit non plus pour pouvoir avoir un peu de monde pendant l'hiver. Quoi, ce qui n'était pas le cas. Trouver des matériaux. Parce que si on était resté à Paros dans les petites îles, on n'aurait pas pu trouver ce dont on avait besoin pour travailler. Non mais c'est vraiment Rethymno en Crète, c'est une petite ville très agréable. Parce que c'est une ville étudiante, donc il y a beaucoup d'universités, beaucoup de jeunes, donc il y a beaucoup de vie. Ça marche de l'ordre de l'eau.
bateau, le Forlan 6, c'est un bateau qui appartenait à mon père, qui l'avait acheté il y a assez longtemps, une trentaine d'années, avec ses amis. C'est un bateau qui a 40 ans, donc c'est un vieux bateau qui est continuellement cassé, dont le moteur nous a lâché énormément de fois dans des situations où il n'aurait pas dû. Enfin, c'était souvent... Il est super ce bateau, mais ça a été toujours beaucoup de complications. Quand Mathieu est venu, il a été capable de lui s'attaquer à l'électricité du bateau qui était complètement absurde, qui avait été fait par un ami de mon père qui était coiffeur. S'attaquer au moteur qui ne marchait plus, donc il a complètement rénové le bateau. Enfin, on l'a fait ensemble, mais il m'a montré comment faire. Donc ça, c'était super. C'est sûr, ouais, c'est un projet qui... La rénovation du bateau, c'est un projet qu'on a commencé depuis un peu plus de 2 ans maintenant, et ça vient doucement, donc on commence à maintenant être sûr du bateau et avoir un bateau qui nous plaît, qu'on puisse en être fier. Enfin, je l'aime autant que je le déteste, ce bateau, dans le sens où... C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'entretien, mais c'est assez plaisant aussi d'en tirer une fierté et de savoir que bah, on a travaillé pour ça. Et... Mathieu aime bien appeler ce bateau, ça me fait trop rire, Hugh Hefner à chaque fois. Parce que c'était un bateau qui naviguait toujours. J'allais dessus avec mes copines, on faisait plus ou moins n'importe, n'importe quoi, ça, mais avec, mais on s'en occupait pas. Quoi. Ce bateau, il fait vraiment vieux beau maintenant, depuis qu'on le retape, donc on lui fait un petit lifting des 40 ans, puisqu'il a 40 ans cette année. C'était un bateau qui était où il y avait beaucoup de filles qui naviguaient avant que j'arrive, et c'est vrai qu'au début j'étais persuadé qu'il m'en voulait de lui piquer sa place de un peu l'homme, quoi, parce que dès que je démontais un truc, ça cassait, c'était assez compliqué au début. Pour moi, c'est Hugh Hefner. C'est vraiment, on va trouver ces matériaux dans la rue. Donc en fonction de ce qu'on a trouvé, on va faire une sculpture. C'est vrai que c'est toujours intéressant de voir comment des objets qu'on connaît, qu'on est bien dans l'habitude, qu'on méprise, sous l'eau deviennent complètement autres. C'est vraiment sous l'eau que les objets vont prendre vie, qu'ils vont commencer à bouger avec les courants. Le fait qu'il n'y ait aucune gravité, ça va être cette légèreté et cette lenteur qui nous intéresse aussi beaucoup. Ils sont vraiment complètement sortis de leur contexte et ils évoluent d'une façon très lente et poétique, on espère, dans les courants. Avec Hortense, on travaille donc à l'atelier, on a toute une partie qui est la création des installations où on essaye de savoir ce qui va se passer une fois qu'on mettra nos travaux sous l'eau, mais on ne sait pas vraiment en fait. Ah ouais ? Et la blanche aussi ? Ouais. Donc on va les prendre quand on va les narratif ? Ce qu'on en tire, c'est la documentation photographique, mais en soi on n'a plus aucune action réelle sur les... On n'a plus de contrôle. On n'a plus le contrôle des travaux, c'est la mère qui joue avec et qui leur donne une certaine forme de vie. Et là, ça se passe de telle manière qu'on confie nos travaux à la mère et qu'à ce moment-là, on n'est plus acteur de ces travaux, on est spectateur. Hortense a son côté artistique, donc elle voit ce qui marche visuellement, graphiquement, donc c'est... On est tous les deux à la naissance des boulots, mais elle a plus ce passé artiste, et donc elle sait ce qui va marcher ou non. Et moi, j'ai mon côté technique, donc je sais
comment faire fonctionner ce qu'elle me propose. Donc, généralement, on définit tous les deux l'idée principale et après, moi, je vois comment la réaliser, on la réalise tous les deux et puis on essaye ensuite sous l'eau. Donc le dessin, vraiment, c'est pas du tout des dessins techniques. C'est une façon de dessiner, c'est une façon de... C'est comme une idée à partir du moment où on arrive à la formuler à travers des mots ou à la formuler à travers un dessin. C'est à partir de là qu'on peut vraiment réfléchir à cette idée. Donc ça me permet juste de jouer avec des objets, des formes, pour essayer de mettre une idée sur papier, quoi, la mettre en forme. Donc le dessin, c'est un jeu, c'est un plaisir, c'est vraiment pour se détendre, pour se lâcher, c'est un dessin, oui, c'est vraiment d'intuition aussi, quoi. Et là, on va justement avec le travail qu'on va faire avec les CD. Tous ces CD assemblés qui, en fait, représentent d'une certaine façon un banc de poissons. Il y a toujours ces bancs de poissons qu'on voit qui bougent différemment. Donc, en espérant que ces CD tournent sur eux-mêmes et reflètent justement cette lumière. Donc, on va essayer de jouer avec ça aussi dans un de nos prochains travaux. C'était sympa, Mathieu, de démêler tous les fils de nylon. Ça n'a pas rendu comme on le souhaitait pour l'instant. Enfin, c'est la majorité du temps, les travaux, on a besoin de les mettre deux ou trois fois sous l'eau pour vraiment les faire réagir comme on a envie. Donc là, il y a encore du travail à faire sur celui-là. On va peut-être modifier un peu la structure autour des CD pour avoir un mouvement un peu plus intéressant. Donc il y a toujours... Oui, c'est presque comme devenir des photographes de documentaires, quoi. On essaye de capter des réactions qu'on prévoit bien sûr dans une certaine, jusqu'à un certain niveau, mais jamais... C'est vrai qu'on a beau essayer de prévoir ce qui va se passer, la majeure partie du temps c'est différent de ce à quoi on avait pensé. Parfois c'est mieux, parfois c'est moins bien, ça dépend vraiment des moments. C'est vrai que certains travaux... C'est la partie aussi marrante du travail. Il y a une part de mystère toujours, quoi qu'on prévoit à l'atelier, il y a toujours une part de mystère et qui va révéler ou non ce qu'on met dans l'eau. Sinon, on a réessayé aussi un autre travaux qu'on appelle Blow Dry, avec des perruques. Et c'est une petite structure mécanique qu'a fait Mathieu, qui fait tourner une hélice pour ensuite permettre mettre sur la tête de cette structure, en fait, sur un bol, mettre ses perruques et faire bouger les perruques comme si elles étaient dans le vent, dans la mer, un peu toute l'idée de la représentation d'aujourd'hui, mais une représentation un peu absurde, comme c'est un peu une créature qui devient un peu folle. Sauf qu'à chaque fois aussi c'est différent parce qu'il faut vraiment qu'on travaille en fait au niveau de la flottabilité. Là, on n'avait pas mis assez de poids, donc pour qu'elle coule un peu plus. Et on pense aussi changer l'hélice, mettre une hélice un peu plus grosse, peut-être. Parfois, c'est dur de travailler justement avec des matériaux qu'on trouve. Parce que pour de l'étanchéité, à chaque fois, il y a toujours de l'eau qui s'infiltre, alors on ne peut pas les mettre trop profond non plus. Enfin, c'est toujours une expérimentation. Le bateau, c'est vrai que ça a toujours l'air assez paradisiaque de vivre sur un bateau. Moi, quand j'étais jeune, je rêvais de vivre sur un bateau, je pensais que ça allait être super. Mais on a passé un hiver, même si on était au port, il y a peut-être une belle journée dans la semaine, mais le reste du temps, il pleuvait, il y avait un vent pas possible. Donc le bateau, il y a toujours du bruit sur un bateau, il n'y a jamais vraiment de silence. L'eau qui rentrait à l'intérieur du bateau, Mathieu qui devenait fou en essayant de faire une étanchéité parfaite.
Donc c'est vrai qu'au jour le jour, combien de fois on s'est dit dans la semaine, je ne dis plus jamais, je ne peux être plus jamais l'hiver sur un bateau, c'était, tout était humide, tout prend l'humidité, rien de sèche, enfin, c'était un peu... Il y a des moments sublimes en bateau, mais il y a aussi des moments pas très confortables. Mais ça fait partie, c'est ça qui est sympa, hein. C'est pour ça qu'on apprécie les moments agréables. Idéalement, notre rêve, mais vraiment pour l'instant c'est qu'un rêve, hein, ce serait de pouvoir travailler avec bien sûr bon, des galeries, ça pour au niveau de la photographie et puis de l'art conceptuel, c'est très important, mais aussi travailler justement avec peut-être des hôtels sous-marins aux Maldives ou des endroits qui souhaitent proposer une autre façon de percevoir la mer, une autre façon de percevoir le milieu sous-marin, que ce soit pas forcément comme ça ce milieu. Intouché, sublime, ou, parce que ça ne l'est plus, quoi. Oui, bien sûr, le but, c'est de les vendre, les photographies, pour en vivre d'un côté, parce que c'est gratifiant aussi de l'autre. C'est une certaine reconnaissance de voir que des gens sont prêts à dépenser de l'argent pour acheter des photographies sur lesquelles on a travaillé. Puis c'est vrai que le fait de vendre et d'exposer nos travaux, dû aussi, évidemment, qu'on a besoin de vivre, mais le fait d'avoir une confrontation avec une audience, c'est important et nécessaire pour se développer plus et pour aller de l'avant dans ce qu'on fait, pour développer nos projets. C'est pas toujours facile de vivre sur un aussi petit. Enfin, la place sur un bateau se compte et c'est vrai qu'on est toujours. On peut pas s'isoler vraiment, on n'a pas vraiment de. L'intimité est très dure à trouver. Quoi. Mais le côté. Donc ça, c'est pour le côté négatif, c'est pas toujours facile, mais sur le côté positif, c'est vrai qu'on est plus amené à se dire les choses au moment où on les pense, quand ça. Enfin, je sais pas si sur un coup d'énervement, on a tendance à dire les choses tout de suite, à être très franc, pour éviter que ça. Que ça devienne mauvais et que ça, de ressasser les choses. Et de... Oui, c'est sûr qu'il... En plus, Mathieu et moi, on est assez différents. Mathieu est très organisé et j'ai des tendances à être un peu bordélique. Donc c'est vrai que des fois, bien sûr, dans un petit bateau... Mais bon, ça, je pense que c'est la vie de tous les gens qui habitent en cohabitation. Il y a toujours des côtés... Mais ça s'est bien passé. Donc c'était vraiment... C'est sûr que... Coup de bol, si là, ça a marché, c'est chouette, mais ça aurait très bien pu partir. Thank you.
Et ce bateau, au début, quand je naviguais dessus, je pensais que... Enfin, qu'il allait finir par disparaître, quoi. On essayait de le vendre depuis des années, mais personne n'en voulait parce qu'il était trop vieux et que tout était cassé dessus. Et quand Mathieu est arrivé et qu'on s'est mis à naviguer, qu'on s'est mis à naviguer ensemble, là vraiment, je me suis rendu compte que bah non, c'était possible de réparer tout ça, que c'était possible de le garder et que ce bateau avait un futur, quoi. Et que nous aussi, avec ce bateau, donc c'est...